Donc écoutez, on va commencer par un échauffement. Rock and roll, je vais poser ma guitare et après on attaquera les circuits. Donc n'hésitez pas, s'il y a des soucis, vous peut-être que vous m'envoyez un message, celui-là j'avoue, j'arrive pas et j'essaierai d'adapter, de tenter de lire un peu vos messages. Je pose ma guitare, on y va. C'est parti, je le sens. Hop. I had a woman to me. Oh yeah. Allez, est-ce que le son c'est bon? Ça va pour tout le monde? J'espère que ça va pas couper aujourd'hui. Oh, Magali est là! Donc échauffement, si vous pouvez pas faire l'échauffement comme moi, vous faites un petit échauffement à votre sauce. De toute façon, je vous vois pas, donc vous pouvez faire vraiment à votre sauce. Et on y va, c'est parti, prenez la place autour de vous. On est parti à droite, à gauche, step touch. C'est-à-dire qu'on se déplace droite et gauche. Les pieds un peu en canard. Lilou, tu le fais avec nous? Non? Ok, est-ce que ça va? Le son, c'est bon? Parfait, Sandrine. Talons de fesses, on alterne. Un peu plus de son. Rock and roll. Les bras. Ok, encore 4, 3, 2, 1, gardez les pieds écartés, squat up. Bon, faites en fonction de la place que vous avez, bien sûr. Plus ces mouvements sont là, plus mieux c'est. C'est qui arrive? Oh, Marie-Pierre. Suzanne est en pantoufle. Ouh. Un peu façon boxeur, sans tendre le coude à fond, on se retient de tendre le coude à fond. Par contre, on se retient pas de serrer le bilou. Hop, la jambe allongée là derrière, même bras, même jambe. T'as vu, je suis un peu penché vers l'avant quand même. Sait-on jamais. 4, 3, 2, 2 fois côté gauche. Deux fois côté droit. Ici, sur place, squat. Fesse en arrière, j'envoie le poids du corps en arrière, je sors fessier, ça fera plaisir au voisin. Ventre serré toujours. 4, 3, 2, 3 petits rebonds en bas. 3, 2, 1. Parfait. Ok, ça passe en pantoufle, Suzelle. Encore toujours 3. Et 2. Et 1. Sentez bien le poids du corps en arrière. Les genoux n'avancent pas. On protège les genoux. Encore 2 fois 3. Dernière. Squat tap, comme en deux, comme tout à l'heure. Regarde, avance et recule, pied droit devant. Uniquement bras droit, le bras de votre jambe avant. Direct devant, direct, 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 direct. Ça va ou quoi? Ça va là-bas? Oui? Oui? Elle voulait pas passer sur la vidéo. Encore 4, 3, 2, 1, changez, gauche devant, avance et recule, dès que vous avez mis les jambes en place, on met les poings, hop, relâchez bien vos épaules, ouais je suis en gym, ouais, j'avais envie, allez c'est droit devant, sans tendre le coude à fond, il en reste 4, 3, 2, hop, sur place, rebond. Pas beaucoup de bras aujourd'hui. Hein.
Ça va ou ça va? Oui. Hop. Quand on a sauté, double rebond, droite et gauche. Si on ne peut pas, bien sûr, on le fait en marchant. J'ai jamais vu la corde à sauter en marchant, mais c'est possible. Le but, c'est de vous échauffer. Ok, encore 4. 3. 2. 1. Ici, 2 squats. Courez sur place. 4. 3. 2. On reprend nos 2 squats. 1. 2. Courez sur place. Encore. 2. Un footing qui est un peu plus large. Allez, montez un peu sur le genou, le ventre serré, le dos bien droit. 4, 3, 2, sur place, resserrez, accélérez. Allez, allez. 4, 3, 2, ralenti. Hey, dernière, accélère, go. Oh, relâche. Ça va toujours? Oh, Mumu, il y a Mumu, Lilou. Elle s'en fout. Allez, bon, on allonge plus haut. On finit. Encore 4. 3. 2. 1. Allez, on finit l'échauffement par des crochets. C'est le bras qui balaye. Coup de pro, coup de crocheté, coup de plié. Et laissez pivoter un peu le buste. Encore 8. Ça, j'aurais bien aimé voir certains le faire. Hein. 6. 5. 4. On y est. 3. 2. 1. Les derniers squats, ventre serré. 4 encore. 3. 2. Petit rebond en bas, reste en bas. 8. 7. Toujours le poids du corps en arrière et juste penché. Encore 4. 3. 2. Hop, reste en bas, posez vos mains au sol. Oulala. Si vous pouvez, tendez vos jambes derrière, on est en position de planche sur les mains, ventre serré, épaules devant les oreilles, 4, 3, ramène les pieds, repousse sur les jambes, relâche, et buvez un coup, parfait, fin d'échauffement, rentrez mon chat, allez vite, hop. Allez, prochaine chanson, Ghostbuster. Oh, live, yeah! Yeah, rock and roll! Alors, préparez le tapis, regardez comment on va s'organiser. Suivant la place que vous avez, mettez le tapis devant vous ou à côté de vous. Il faut de la place pour pouvoir bouger hors du tapis. Gardez les chaussures, gardez la place à côté ou derrière le tapis. Yeah Magali, super c'est les enfants. On a combien on a d'exercices? 7 exercices. 7 exercices. Je vous les montrerai bien sûr à chaque fois. Je vais les faire en même temps que vous. Je ne vais pas vous corriger parce que je ne vous vois pas, mais je vais essayer de vous donner le max de d'indication. Yeah. Premier exercice, c'est assez simple. Il y a des options toujours. Où je squatte, poids du corps en arrière, de haut en bas. De haut en bas, je peux même aller plus bas si mon jean ne craque pas. Ou si, option plus dure, j'ai la capacité, petit rebond en bas pour chauffer les cuisses. Je vous dis top pour une minute de squat en bas, petit mouvement, ou de squat en entier si vous sentez que c'est pas terrible. On travaille le musculaire sur les mouvements plus lents, on travaille le cardio sur les mouvements rapides. Ok ?
Il reste pour l'instant 40 secondes. Pensez à rentrer le ventre, respirer. Là, on ne pourra pas s'encourager ni rien aujourd'hui, mais je suis tout cœur avec vous. Allez, Marjo. Il reste 25 secondes. Si vous sentez des douleurs dans le genou, c'est qu'il faut pousser plus en arrière ou aller moins bas. Douleur dans le dos, c'est que vous êtes trop penché, peut-être. 8, 7, 6, Ghostbuster. Encore 4, 3, ça va chauffer là, hein? 2, ok, le temps d'aller sur le tapis en planche. Plusieurs options, le temps que je vous les montre, ça n'a pas démarré encore. Ou je me mets sur les coudes, vous voyez bien? Et j'alterne, je passe sur les mains, sur les coudes, sur les mains, sur les coudes. Je peux le faire sur les pieds, mais moins dur à genoux. Si c'est vraiment trop dur, je reste en gainage, sans bouger. Si j'ai mal aux épaules, je me mets en équilibre aux fessiers et j'attends le déluge. 3, 2, 1, c'est parti pour le commando. Hop, c'est sur les mains, je passe sur les coudes, sur les mains, en essayant de pivoter le moins possible le buste. Le bassin non plus bouge pas. Si j'écarte les pieds, c'est plus facile. Si j'alterne, un coup je descends main droite, un coup je descends main gauche, c'est mieux, vous serez plus équilibré. Pas trop galère celui-là, Thérèse. Il reste la moitié, 30 secondes. Serrez le ventre à votre rythme. J'alterne les côtés, un coup je descends main droite, un coup je descends et je remonte main gauche. Allez, 15 secondes encore. Allez. Parfait, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, parfait. On est debout, il est fatigué plus là. Si vous avez mal aux épaules, faites-le bien sur les fessiers, assis sur les fessiers. De la place derrière. On va faire le jack power. Sans le tapis. Pied en canard. J'écarte et je resserre pour lancer le cardio. Top pour une minute. Les bras sont libres. J'essaie de ne pas rebondir en hauteur. J'essaie de balayer vite mes jambes pour que ma tête et mon bassin restent à peu près à la même hauteur. Objectif cardio sur celui-là. Et trop dur, Josiane. T'as du mental? Josiane, t'as du mental? Allez. On fera moins d'une minute sur celui-là. Faites à votre rythme. Where the time? Allez, ok, ça va. Encore 10, 9, 8, 7. Si c'est trop dur, vous faites ça. 6, aujourd'hui, vous le dire avant. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, marchez. Marchez, ne restez pas statique. Ça va ou ça va? Ça a l'air d'aller, hein? Abdos sur le tapis. Je serre le ventre. Je suis essoufflé de l'exercice d'avant. Je serre bien les abdos. Et là, je vais pas vite, pas besoin. J'allonge une jambe puis l'autre. Et je rajoute pivot du buste. Épaule vers genou opposé en soufflant. Pas besoin d'aller vite, on contrôle son dos. Le bassin ne bouge pas. Si j'ai mal au dos, c'est que ma jambe va trop bas. Si mon ventre gonfle, c'est ou que je fais de l'aérophagie ou qu'il faut le rentrer plus, ce bidou. Faut pas nous dire trop. Eh oui, désolé, Véro, mais tu le sauras pour le coup d'après. Peut-être qu'il voit rien avec ses lunettes. Vous me dites hein, quand ça fait une minute. Ramenez pas trop votre jambe vers vous, y a pas besoin. Cuisse verticale vers le ramène, c'est le buste qui va chercher les jambes. Allez, on arrive au bout. 8, 7, Sabine, c'est à cette heure-là qu'on arrive. 4, 3, 2, 1, ok, restez couché. Ça chauffe, hein? Les pieds serrés, sauf si j'ai mal au dos. La tête posée, bassin levé, je tends, je pose, je tends. Je pose, j'alterne les jambes, je tends une jambe culotte vers l'avant sans baisser le bassin, sans le tourner non plus. C'est parti!
Si c'est trop dur, je reste ici en pont sans bouger. Si c'est vraiment, ça cuit les cuisses, j'en peux plus, je monte et je descends le bassin. Je monte et je descends le bassin en option moins dure. Sinon, je tends sans bouger le bassin, une jambe plus l'autre. Ça va celui-là, il doit chauffer dans les cuisses et fessiers, mais il ne doit pas contracter trop fort, pas de contracture. Gardez bien tête posée. Ça va Lilou? Pas trop dur? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, yeah! On peut remonter. Ici, il faut encore de la place, il reste deux exos. On est en dehors du tapis. 1, 2, 3, je bloque. 1, 2, 3, je bloque. Si j'écarte les pieds, c'est plus dur. Ce blocage, il me le faut avec les abdos serrés et les bras qui vous aident. C'est parti pour une minute. Ou sur le rythme de la musique. Ou plus rapide, pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, allez! Johnny be good! Allez Nico, après y'a Nirvana. Serrez les abdos, serrez les abdos. Rapide, rapide, hop! C'est le dernier genou que je monte et que je bloque, y'a pas besoin de tous les monter, y'a pas besoin. Hop, 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 hop! 6. 5, 4, 3, 2, 1, ok l'équipe, parfait, il en a 5. Lui est dur. Celui-là est dur. N'hésitez pas à vous tenir à une chaise s'il faut. On se met en équilibre sur la jambe droite. On lève la gauche, juste j'applique en arrière. C'est un squat sur une jambe, c'est pas évident. C'est du split squat. Je garde ma jambe un peu derrière, pied derrière. C'est parti. Je garde ma jambe derrière pour aller chercher vers le sol. Mais avec le poids du corps en arrière. Je ne dois pas avancer mon genou. C'est la même chose que sur le pied. Et sur le pied, toujours la même jambe levée. Si c'est trop dur, donc tenez-vous à une chaise imaginaire ou une vraie chaise. Si c'est très dur, vous restez sur les deux jambes, mais vous déséquilibrez un peu. Vous mettez le poids beaucoup plus sur une jambe. Ça, c'est possible. Nico, je sais pas si t'es là, mais ça va envoyer du pâté. Donc, un équilibre sur une jambe ou un pied posé, à peine posé si c'est trop dur. 6 secondes. 5. 4. 3. Qu'est-ce que ça dit, mode ? 2. Le flamant rose. On relâche. Ok. Fin du premier tour, c'est l'heure de boire un coup. Ça va, dites-moi s'il y a des soucis. Hein. Donc le but, bien respirer surtout et le faire à son rythme. Chaque fin d'exercice, vous devez sentir que ça fait mal musculairement ou que niveau cardio, vous avez bien morflé. Si c'est trop facile, il faut passer une option plus dure ou mettre plus de niac, plus d'énergie. Prêt pour le deuxième tour? Il y en a trois, hein? C'est qui un peu plus? Agnès? C'est rien. C'est normal, ça chauffe, Stéphanie. Il y a Maëlys ou pas? Ah! On va refaire tout ce qu'on a fait depuis le début. C'est-à-dire, premier exercice, squat. Je le redis, ou squat complet, ou squat petit mouvement en bas. 3, 2, 1. C'est parti, go! Une minute! Pas plus dur, Pascal, je me doute. Ceux qui n'ont pas l'habitude du circuit, forcément, faites des options moins dures. Faites-le moins vite, en entier. Cherchez la mobilité et pas vous faire mal au dos. Je gaine, je serre mes abdos. Voilà, c'est tout. Allez! Ah, Maëlys, elle fait du yoga, Lilou. Mais Lilou aussi, elle en a fait là. Allez, serrez-moi ce ventre et lâchez pas, respirez, lâchez pas, respirez. Allez, 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Sur le tapis, le commando, je le redis, pied écarté c'est plus facile. Je passe un coup de main et sur la main, coup de main. Si c'est trop dur, à genoux. Si c'est trop dur, reste un gainage. Si mal aux épaules, reste un équilibre fessier. 3, 2, 1, on est parti, pense à écarter les côtés. Je descends un bras, je remonte de ce bras. Je descends de l'autre bras, je remonte de ce bras. Et si le pas est vite, il vous appliquez. À pas dandiner, pas pivoter. Ce buste. Oh, Annelise! Oh, sérieux! Ça y est, pas de corona, y'a plus d'heure. On vient là comme on veut. Allez, soufflez à chaque montée. Celui-là, il est pour toi, Marjo. Hein. Allez, restez solide. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok! On est debout! C'est le Jack Power qui vous attend. Il est chaud celui-là aussi. Mais il est plus court que les autres. Vous êtes prêts? Rien vous gêne, on vient de l'heure du tapis. Pied canard, c'est parti. Écartez vos serres, pied canard. Je te le dis maintenant, Véro, si c'est trop dur, descends même deux. Et je vous allonge les jambes, d'un côté plus l'autre, comme un patineur. Allez, les bras sont libres. N'oubliez pas, le but c'est pas d'aller en hauteur, c'est d'aller vite des jambes. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, parfait, allez, continue. Ça chauffe, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Là, ça va être dur parce qu'on est essoufflé. On est échoufflé. On est essoufflé. Ouh, off spring. On est sur le dos, ventre serré, jambes en l'air. Pas trop près de vous, les jambes. Je suis c'est vertical. Pas besoin d'aller vite. C'est parti, top aux abdos. J'envoie les jambes pas trop bas si j'ai mal au dos. Et je pivote pour le but. Ventre serré. Rappelez cette musique, c'est énorme. Allez, on lâche pas. Vite, allez moins vite, moins haut. Prends une seconde. Parfait, parfait, parfait. Encore, allez. Si ça brûle, c'est bon signe. Si ça gonfle, il n'y a pas bon. C'est des tout. 15 secondes. Hey. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, restez couché. Le pont, pied serré, jambe serrée. Sauf si j'ai mal au dos, je le redis. Hein. Posez votre tête, c'est important. Je lève le bassin, je ne bouge plus. C'est parti, je tends une jambe, puis l'autre. Je ne bouge pas le bassin. Si c'est trop dur pour moi, je monte et je descends le bassin. Si c'est toujours trop dur, ben je le repose à chaque fois et je retiens. Je pose et je reviens. Sinon, essayez de vraiment stabiliser le bassin. Là, si vous prenez pilates, c'est votre truc là. Oh Catherine, ça va déménager. 20 secondes encore. Cuisse qui chauffe, cuisse qui brûle. Oh oh. On a une princesse avec nous. Regardez comme elle est timide. T'as perdu le truc, Limo. 4, 3, 2, 1, ok. Les cuisses ont dû chauffer. On est debout. Allez, on prend la prochaine. De la place derrière le tapis, on est debout. Hop, je me mets là, je me mets mieux.
C'est le 1-2-3, je bloque, 1-2-3, je bloque. Ceux qui arrivent et qui s'empêchent, au fait, allez-y, mollo, lastico. Je serre les abdos, je suis pas obligé de suivre la musique. 1-2-3, je bloque sur le troisième pas. C'est parti, 1 minute. Cardio et abdos aussi. Pour stabiliser le buste et le bassin, je serre mes abdos, sinon... Aidez-vous les bras, aidez-vous les bras. Allez, encore, encore. 30 secondes. Qu'est-ce qu'elle dit, Suzelle? Les chiens font pas les chats. Hein. Allez. 10, 9, 8, restez gainés. 7, 6, 5, ça c'est bon ça. 4, 3, 2, 1. Ok. Le dernier où on peut se tenir une chaise, pour rappeler. C'est la jambe gauche qui sera devant. À la jambe d'appui. Je lève ma jambe droite, je la plie derrière, pas besoin d'attendre derrière. Si c'est pour l'instant, on fait ça, on est parti. Je descends doucement sur une jambe, je peux tordre un peu mon buste. Je vais chercher le sol avec ma main droite. Mais je me penche, mais surtout, je fais pas que me pencher. Je plie ma jambe d'appui. Je vous rappelle, si c'est trop dur, mettez sur deux pieds, mais vous décalez beaucoup le poids sur la gauche. Vous soulevez le talon droit, vous faites des squats. Beaucoup plus en appui sur la gauche. Kiki dit, c'est pas grave Catherine. Si tu prends maintenant Catherine, faut y aller mollo. Hein. Celui-là il est dur. Hein. Fin du tour là. Fin du tour dans 30 secondes. En 30 secondes on picole. Laetitia, t'as préparé le morito? Non, Laetitia c'est une princesse, à mon avis c'est son mari qui prépare les morito. 15 secondes. Ça chauffe Marcel. 10, 9, 8, 7, 6, très bon pour les fessiers celui-là. 3, 2, le dernier. Ok, relâchez, yeah. Plus qu'un tour. Récupérez du Benko. C'est bon ça, d'ailleurs je souhaite. Ça y est, ça commence à faire effet là. Vous êtes prêts pour le dernier tour? La LEF? C'est une marque de bière ça, non? J'arrive Cindy. Ça va Lilou? Bon, si ça commence à tirer, c'est normal. On adaptera pour le dernier tour s'il faut. Ça va Magali? Josiane devant la cheminée, tu l'as allumé? Elle a allumé la cheminée, Josiane, il fait froid. Ah moi je suis chaud moi. Agnès, t'en reveux? Dernier tour. Allez, au mental, j'espère que vous n'avez pas tout gardé pour ici. J'ai une pensée pour Aline, Sabine et toutes les pipelettes du cours qui là peuvent pas parler, ça va être dur pour elles. Quel autre? L'autre, Anise, j'ai pas compris. L'autre. On est parti, dernier tour? Troisième tour, vous êtes prêts? On reprend par les squats, qui là sur le hanche, un peu en canard si vous voulez. Trois, deux, un, c'est parti. Squat complet si j'ai du mal. Squat petit en bas si je veux bien chauffer mes cuisses et mes fessiers. Allez, on y va. Dernier tour, 7 exercices, donc 7 minutes à tenir de temps effectif. Ça va? Chausser! Allez, on lâche pas ni le bibou, on rentre pas ses genoux. On les envoie pas en avant, c'est les genoux. On pousse les fesses en arrière. 30 secondes encore. On lâche les mains aux épaules, décrispez le haut. C'est le bas qui travaille et le centre. Allez, 20 secondes. Yeah, oh, pas tout, oh. Président, c'est à cette heure-là qu'on arrive. Fais ce qu'il veut, président. N'importe quoi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, ça pique aussi, on relâche, gainage commando. N'oubliez pas, si vous avez mal aux épaules, restez en gainage sur les coudes, ça ira. Ou je reste sur les fesses. Hein. On alterne bien les côtés, n'oubliez pas 24, 3, 2, 1,
C'est parti, écartez les pieds. Je descends sur les coudes. Je remonte sur les mains. Je commence de l'autre côté. Coude, main, coude, main. Et je pivote pas mon buste. Je fais attention à mes épaules. Je fais attention à mon bassin. J'essaie de rester toujours parallèle au sol. C'est pour ça qu'on écarte les pieds. Plus facile, mais plus sûr aussi. Qui c'est qui parle? Allez, on lâche rien. Allez, appliquez-vous. N'hésitez pas, ne le faites pas forcément trop rapide. Restez toujours figé, le buste parallèle au sol. Si j'en peux plus, je reste en gainage. Il reste 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, parfait. Oh putain. Tu déconnes, Patrice, hein? On est debout, on est debout, on est debout. Jumping jack, je vous l'annonce, c'est le fait de pas encore. Jumping jack, le but, pas changer la hauteur du bassin. Même hauteur le bassin. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti, 45 secondes. Si je balaye vite, j'éviterai de rebondir. Le gainage sera meilleur, le travail profond sera meilleur, le cardio sera bon toujours. Allez, on craint les gueules. Allez, allez, dans la durée, faut tenir, dans la durée, faut tenir. J'ouvre bien les genoux, j'ouvre les genoux. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Ok. On est sur le tapis. On ramène pas trop les jambes près de nous. Je pivote les jambes. Je pivote la jambe qui est plus près de moi. C'est parti. Une minute. Allez. On lâche pas le morceau. Hein. C'est dégueulasse. Et on souffle à chaque montée. Ça, c'est important. Ça fait le ventre, bien sûr, mais soufflez vos mains. Allez. On lâche pas. 25 secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, restez couché, parfait. Pieds serrés, jambes serrées. Ou je monte, je descends le bassin, je le repose à chaque fois. Ou je reste stable en haut, je ne bouge plus. Moi je reste stable et je rajoute, je tends une jambe puis l'autre. C'est parti, une minute de fixation de bassin. On stabilise tout ça, bras le long du corps, bras levé c'est un peu plus dur. Et je lève bien le bassin si je suis à l'aise. Allez, tendez à fond, mes deux genoux restent scotchés l'un à l'autre, même hauteur ces genoux. Allez, 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 parfait. On finit ce dernier tour. Vous savez qu'il y a encore un circuit après, il y a un autre circuit, hein. Allez, 20 secondes. Ça passe, ça passe, ça passe. 10. Allez, tout le monde s'accroche. 9. 8. 7. 6. 5. Yeah! 4. 3. Oh! 2. 1. On relâche. Parfait, on est debout. Elle est montée trop vite, Lilian. Aussi, vous avez la tête qui tourne. Avant-dernier exercice, pardon. 1, 2, 3, je bloque. 1, 2, 3, je bloque. 3, 2, 1, go, on y va. Aidez-vous des bras. Marchez si c'est trop dur. Marchez vite, hein. Mais si vous pouvez, courir et faites ce blocage. Là, une ou deux secondes. Bas. Hop. Hop, le dos bien droit, bien sûr. Ouais, Victorin, je suis désolé, moi, je suis encore en maternelle. Allez! Préfère ça! Allez,
Restez solide. Fixe du bassin. Fixe, fixe, fixe. Allez. Je vous vois si vous bougez. Que toi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Dernier exercice, c'est celui-là, vous vous rappelez, sur une jambe. 30 secondes une jambe, 30 secondes l'autre. Ça va aller? On se met en appui sur jambe droite. Jambe gauche levée. 3, 2, 1, c'est parti. Je descends, je me penche, mais je descends, je plie ma jambe d'appui. Je vais chercher le sol avec ma jambe. Si c'est trop dur, je pose mon pied gauche légèrement. Souffle à chaque remontée, restez gainé. Elle doit chauffer ses cuisses ou même brûler. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Changez de jambe, équilibrez-vous. Grandissez-vous. On y va. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Allez. Allez, on tient bon, on tient bon. Rien n'est pas folle. Il reste 15 secondes à tenir sur ce tour. Allez. 4. 3. Annelise, mais toujours c'est l'autre. 2. On a changé de jambe, Annelise. Hein. Encore une. Ok, relâchez. Ça a dû chauffer là, non? Ça a chauffé ou pas? Ça a chauffé. C'est-à-dire qu'on a fini? C'est pas fini. On se fait 30 secondes de relance cardio. Tous ensemble. Il faut de la place autour de vous, pas de tapis. Ici, rebond sur place. Si je peux pas rebondir, je le fais sans soulever les pieds. Ah, je rebondis. Faites la place, faites la place. Éloignez tout. Vous voyez Jennifer Lopez quand elle fait ça, que ça bouge pas au niveau de ses fessiers? C'est parti. Go. Allez, aide-toi des bras, serre les abdos. 4, 3, 2, rebond. Ça, c'est Yannick Noah. Ça se sent. Ça se sent. Hop, Jennifer Lopez, go. Dernière fois, accélère, accélère, accélère. Fais des petits pas. Tape le sol, tape le sol. Comme Fogoto quand elle fait la samba. Allez, allez, ne bougez pas le bassin. Allez, encore, encore, encore. Allez. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, relâchez. Wouh. Marchez, vous n'arrêtez pas. Et rien d'autre que toi. Non, rien d'autre que toi. Préparez-vous pour un deuxième circuit qui arrive. Marchez, marchez, buvez un coup. Ok. Deuxième circuit, je vous explique, il faut du matériel. Alors c'est un fractionné. C'est pas évident, hein. Mais non. Si, si, attends, tu vas voir, Léo. C'est un fractionné, je vous propose. Vous buvez un peu d'eau. Un peu de houblon. Un peu de... pas d'eau, mais pas de houblon. Un peu de houblon. Et... ah non, pardon. Ça faut pas, pas d'eau, pardon. Ça fait rouiller. Ça, c'est le circuit que vous pouvez faire chez vous. Je pense qu'il y en a qui le font, ils savent, ils connaissent. T'as un peu plus, Suzelle. T'as un peu plus, Ticia. Même plus. Que peut-être siphonner un peu. On va s'étirer un petit peu. On a encore le temps de boire s'il faut. Allez, je change la musique, je fais un hommage. Je ne pouvais pas passer à côté. Pas tout. Tu regardes pas tout. Manu, Manu, Manu Dibango, il est parti, peu cher. Valérie, c'est fini. Attaille-nous, Valoche. Tirez les bras en haut. Thank you.
Restez. Jambe gauche derrière. Bras gauche en haut. Tirez incliné à droite. J'ai le bras gauche en haut, j'ai la jambe gauche derrière. Changez côté. C'est bon ça, hein? Jambe droite derrière, bras droit en haut. Je pivote pas mon buste, hein? Je penche, je me grandis surtout. On tire au flanc. Vous tournez pas, hein? Dos rond, jambes pliées, tirez les bras devant. Évitez de monter vos épaules aux oreilles. Eh ouais, pas tout. Pivotez d'un côté, regardez sous un bras. Respirez par la bouche, c'est important. Sinon, vous allez vous risquer de vous intoxiquer. On change de côté. À coup, ça. On vient le centre, tire en haut. Tenez-vous une chaise s'il faut, sinon attrapez votre pied. Cuisse serrée. Relâchez arrière de cuisse, on tend une jambe devant. Pointe de pied levé, penche à partir des hanches, pas de dos rond, hein. Sortez les fessiers pour pencher sans pincer le dos. On va tirer vers cuisse et mollet. On change. Hey, pas eu de coupure pour l'instant, hein. On est bon, hein. Ah, j'imagine pas tout les UFA. Au taquet. Coude en arrière, on étire le triceps, on a travaillé sur les commandos. Changez de bras. Doucement, si vous avez mal aux épaules, hein. Makusa. Ici, ouvre les bras, ouvre la poitrine, pardon, les bras reculent. Essayez d'équilibrer les bras, bien sûr, et de baisser les épaules. Tu veux jouer, Lou? On fait un duo, si tu veux. Retirez les bras en haut, allongez, étirez votre colonne. Relâchez, roulez épaules. Allez, c'est Lou à la guitare. Allez, tirez les bras en haut. Et relâchez tout, deux coups. Parfait, merci à tous. Eh, 36 à regarder, parfait, vous étiez nombreux, c'est super. Oui, Pinocchio. Merci encore, peut-être une nouveauté pour certains. Hein. J'ai vu Sandrine, j'ai vu certains. C'était leur premier circuit. Je baisse un peu le son. Hein. Donc bravo à tous, merci encore. C'était le cours le plus, on va dire, le plus énergique. Demain, 6h30, pilates. Jeudi matin, gym du dos, 10h. Et le cours d'abdos fessiers du vendredi, on le fera en live, pas sur le groupe, mais sur la page Smile, comme ça, ceux qui veulent en profiter, qui ne sont pas adhérents du groupe, pourront en profiter aussi. Donc en réponse à certains qui voulaient inviter leurs copains, copines, machin, compagnie. Merci à vous. Toujours n'hésitez pas à faire des échanges. Surveillez vos mails. Je vous enverrai des programmes sûrement d'ici ce soir ou demain. À faire chez vous si vous voulez faire des trucs autres que les cours en live. Y a d'autres groupes aussi. Si vous voulez des cours un peu de malade, de fitness, vous avez des gros cours de stretching, il y a. Yoga, il y a. LIA et step, il y a. Si ça vous intéresse, vous me demandez, je vous invite dans un groupe où il y a des profs, des très bons profs de la région qui tournent et qui font des super cours. Voilà, si vous avez l'occasion de faire des cours de step ou de LIA, c'est l'occasion. Merci beaucoup, merci à Lilou pour la guitare et je vous dis à bientôt.
Portez-vous bien et encore une fois, j'espère que vous le faites toujours en famille. C'est important d'être soudés en ce moment. Comment faire ça? Oh, l'autre, elle veut boire de l'orangina, mon Dieu. On est mal. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao, ciao.